au moins m'poser pied pam m'poser wash pam dans construction nouvelle Haïti. Bonjour bonsoir tout le monde, deuxième rendez-vous booster c'est kounya même sous pigou réseau radio haïtien gen sous la terre les radio méga justement hier m'té lancé appel yo m'té lancé sujet yo et ben jodi n'pral entrer d'emblée dans ONA Office National Assurance Vieillesse. Mais pendant temps ça l'école là l'ouvri pendant timon à l'école professeur ou même dans la rue pas de gain ouverture officielle et me doit parler justement avec ministre éducation nationale la Pierre Josué Agnon Cadet sous non seulement ouverture l'école là mais tout l'agent subvention professeur yo arriéré salaire yo. Nous allons regarder ça ensemble, amis auditeurs. OK? Et puis, nous allons continuer. Main de dossier. Dossier d'intérêt général, s'il vous plaît. Où sont Ezekiel qui a fait manœuvre technique? Nous allons le Romanes samedi. Professeur Leonidas là. Nous partons. Professeur Leonidas, deuxième rendez-vous booster qu'on a même nous dérapé. Auditeur, auditrice, jeudi mardi, nous retirons chapeau nous bien bas pour nous dire bonjour. Quel que soit sous côté, sous surface terre, et quel que soit côté sur le pays d'Haïti. Ou sur le plus gros réseau radio haïtien dans le monde. Pas de doute dans ça. Ou attendez parole vérité, ou attendez deux serviteurs qui décident de renseigner, informer, chercher, faire toute qualité de bagaille pour que ça nous donne exactement ça au besoin qu'on a, ça que la vérité. Et ça cap utile pour permettre qu'on comprenne ça cap passé dans le pays d'Haïti. Très bien. Où est Timon à l'école Bolakayo? Où est professeur? Pendant Timon dans la salle classe, professeur même dans la rue? Bon, faut que Timon, faut que tu aies côté pour Timon Yoshita, premièrement. Faut que tu aies Timon à l'école, deuxièmement. Faut que l'État prenne disposition pour Timon à l'école, troisièmement. Et quatrièmement, faut que parents aient moyen pour nourrir Timon, pour le voir l'école, pour le payer l'école, là, pour le mettre uniforme sur lui, pour le payer transport public. Et en fin de compte, il faut professeur l'école t'a satisfait. Il faut que ça soit dans une situation pré-TB, pré-tuberculose, que vous ayez, pour que vous soyez rentrer dans la dynamique, faire l'école. L'école, c'est un bagage sérieux. Parce que l'école, c'est là, à côté de la famille, côté que vous formez les gens, vous formez les citoyens, vous formez des responsables. Malheureusement, la caille pas nous. Sacré l'État, avec des mafias qui depuis deux siècles prend pays en otage, il pas pensé l'école, il pas pensé l'avenir du monde. Il pas pensé que faut qu'un citoyen demain qui que préparé pour ramasser pays à, pour mettre pays à sous rail développement, pour mettre pays à sous rail démocratie. Ça va intéresser eux parce que il n'y a pas quoi dans l'école. Il n'y a pas quoi dans l'avenir. En un mot, il n'y a pas quoi dans le monde. Pourquoi ça s'arrive? C'est parce que la tête pas, yo, le comportement, yo, la relation que ti groupe ça a gagné avec respect, il considère le reste du monde qui est dans le pays comme étant des esclaves. Il n'y a pas considéré comme monde. Pendant 150 ans dans l'histoire nationale, ça veut dire 2806, le Dessalines tombé, jusqu'à 1946, soit près de 140 ans. Auditeur, si vous calculez bien, pas gagné 40 écoles qui étaient faites dans le pays. Comprenez bien, oui. On peut y déraper. Les soi-disant gon élite là-dedans, il y a exploité pays, il y a voué petit yo à l'étudier en Europe, mais c'est yo pour qu'on li pour toujours dominer. Masta, faut le rester inculte, faut le rester sans pas comprendre rien. L'occupation américaine arrivé en Haïti en 1915. Américains ont dit que c'est première fois ouais, on classe que capable les élites, il y a autant de vagabonds, autant de voyous là-dedans. Autant de moun irresponsables qui va qu'on relie comme élite. Et c'est ainsi que Américains vont le mettre campé
ça relève les écoles, les fermes moyennes d'agriculture, côté que c'est des écoles rurales que vous pouvez mettre dans des zones dans le pays, côté que vous pouvez prendre des jeunes garçons, des jeunes filles, vous pouvez mettre à l'école, vous pouvez former, et vous pouvez prendre une professeur. Et c'est équipe ça que Maurice Dartigue, et c'est équipe ça que le président du Marseille estimé, pour aller ramasser, pour multiplier l'école dans le pays. Que vous voulez, que vous ne voulez pas. La réaction est toujours douce que j'allais faire bonne l'école, mais c'était l'école Bolette. L'école Bolette, peut-être, mais l'école quand même. Même Bral dit juste. Mais on a qui contexte de l'école quand même, non? Non. Il y a de l'école là, qu'on y a, après l'école quand même, c'est pas l'école de lui. Non, attendez, attendez. Moi, bien dit. Je dis la réaction a défini en tant que tel. Ah oui. Mais, comprenez, tu as gagné non seulement en présence de l'école, tu as un contrôle qui t'est fait sur l'école. Tu as des inspecteurs qui ont visité l'école pour garder le programme pour évaluer le monde. Tu as un jeune qui a évalué le professeur de l'école. Je ne vais pas nommer n'importe qui mon professeur à l'école. Je dis à mes auditeurs que les gens qui ne sont pas professeurs à l'école. Il y a des partis politiques ici, l'éducation nationale, ils ont un paquet de valpas, un paquet de voyous professeurs à l'école, parce que simplement, c'est dans le cadre de campagne électorale des nègres qui croient qu'il y a un sénateur, il y a un président. Donc, il faut bailler mon job, il faut multiplier, il faut montrer que yo fait militant plaisir. Très bien. Si vous permettez, M. Obanès, on va continuer. Là, l'école, je dis, arrive dans la situation, ça, c'est parce que pendant ces 30 dernières années, il y a un complot fait pour les, contre l'école. Premier complot fait là, et complot a bien pensé dans le laboratoire, complot a fait pour craser l'Université d'État d'Haïti, il a fait pour craser l'école et le système de santé. Là. Regardez pour eux, qui a une stratégie à faire. Ils ont couru dans l'hôpital général de tout chef de service qui était compétent, qui te permettre que l'hôpital général fonctionne, pour remplacer une équipe charlatan que la gauche haïtienne va le fourrer dans le tout, et qui pourra le craser l'université, qui pourra le craser l'hôpital général, qui pourra le voler matériel dans l'hôpital général, parce que pour Géo, c'était faire l'hôpital privé. Même j'ai un projet où c'est faire université privée. Nèg la gagne deux petits pièces caille. Matin, li font l'école primaire là-dedans. À midi, li dou li font l'école secondaire. À 5 heures d'après-midi, li dou li fait des facultés ou des écoles supérieures et puis de l'université. On pense que nèg la problème, non? Mon ça va beaucoup problème, non? Et pourquoi ça? Beaucoup arrive le problème, non? Uh-huh. L'État qui complice de moun sa yo, de laboratoire sa kap mache krasé, brisé tout ça que t'es dans le pays, parce que justement, c'est issu d'un duvalérisme. Ça dit, son anti-duvalérisme primé qui fait que moun nan gade l'autre là, ah, si elle était professeur dans la faculté de médecine pendant 20 ans, et pas elle était ma coute qui fait le te kala. Très bien. Si elle était directeur lycée, même si lycée a tabay résultat pendant 20 ans, c'est ma coute liée. Nous décidons de combattre tout ça qui est une notion d'excellence, de qualité, la caille nous. L'un, la chasse aux sorcières, dont du valérisme primaire. Et nous rendons compte que l'école, après l'entrée, là, en jeu politique et social, l'école, là, après elle vient tourner un facteur de déstabilisation société, pas de politique, non, ni de déstabilisation de société, parce que c'est craser, nous voulons craser société, c'est voulons craser pays qui fait accepter que l'État arrive au mode de comportement. Malgré Jean Satéye, l'école l'a ouvert quand même hier, lundi 10 d'août, pendant élèves dans la salle classio, dans un paquet de grandes villes, Port-au-Prince, Jacmel, de l'autre côté tout, Gonaïve, Jérémy. En séance, t'es dans la rue, il y a justement mandé, il y a un ajustement salaire, il y a justement subvention. Qui bilan? Est-ce que l'école là nous ouvre tout bon vrai? Qui disposition que tu prends avec nous en ligne? Le ministre de l'Éducation nationale, Pierre Josier, à Junokade. Ministre, comment est-ce que l'OTAN va parler? Bonjour,
bonjour au malaise, et n'absalue toute équipe qui avant, n'absalue toute politère, ça fait vraiment longtemps que nous pas parler. Très bien, parce que ça passe, là, m'dérive en côté, moi-même, vin dit, t'es même pas capable encore. Les professeurs, après, les m'passent pas là, aimerait l'eau nous parler, donc quelque part, après, m'en de qui bilan, professeur, style après les. Bon, on pense au malaise, il faut nous faire un distinguo entre professeurs et activistes politiques. Grand pile carreau, c'est pas besoin, la semaine dernière, hier là, et devant Nazon, côté ministère local, et son équipe, dans la rue, nous avons toute qualité de manifestation, des professionnels de manifestation, qui disent avec tout, quelques syndicalistes, entre guillemets, qui ont fait quelques mouvements, vous roche sur le ministère, côté le même rivet, et bien, blessé gravement à son chef de sécurité ministère, qui c'est Jean David, ben, il était oublié de courir l'hôpital avec en urgence, pour le faire pour roche, tout le monde. Donc, je ne crois pas que enseignant, éducateur, est capable de faire un comportement pareil. Donc, il faut qu'on clair sur lui. Et je dis à Mbil, nous avons une administration qui prend responsabilité. Okay? Je dis à nous avons plus de 30 000 enseignants qui qu'on a recevoir un salaire régulièrement. Et je dis à nous avons plus que 40 000. Parce que nous faisons, dans le mois de juin, là, nous faisons régulariser et manger plus de 11 000 enseignants qui est dans le système là depuis longtemps, qui n'a jamais eu l'air ou qui n'a pas jamais touché. Je dis à non seulement eu l'air, mais eu tout touché. C'est seulement été en 1500 qui a eu quelques petits problèmes nifs qui peut causer toucher la grève. Et dans le mois de juillet, ça là, et juillet, on préparé. Donc, il faut qu'on y comprenne les travaux qu'a fait dans le système. D'ailleurs, moi-même, personnellement, en tant qu'enseignant, même premier monté comme ministre, premier là, quand même, me poser comme acte, après qu'on définisse l'évaluation système, non, c'était augmentation salaire enseignant. Et je dis encore à travailler sur ça, même si nous reconnaissons que nous avons une crise économique aiguë, dans je dis à notre pays d'Haïti, côté les professeurs plus que dans l'État, même si nous admettons que les professeurs, les policiers, les professeurs, les juges, nous sommes mérités de toucher plus, les docteurs, tout le monde qui est dans le personnel de la santé. Et je dis à le gouvernement travaille sérieusement pour repenser. Ça nous est gris salarial. Là. Côté toucher plus là, je ne comprends pas, en termes de qui ça? Et en termes de salaire horaire, donc par aucun côté, par aucun école en Haïti, qui paye professeur plus cher que l'État. Ok, c'est que le deal. Et parce qu'on sait des gens, par exemple, on monte l'État ou bien une école. On nous dit pour ce pays à comprendre les pieds. Il y a une école ouverte. L'État ouvre l'école. Nous jouons au pied de l'école qui trouve une manifestation. Or, la loi, clairement, qu'ils ont fait. Eh bien, directeur de l'école, ça fonctionne déjà pas encore même aujourd'hui là. Et quand pile le monde, nous ne pouvons pas tolérer les actes anarchiques, nous ne pouvons pas tolérer les autres. Seulement nous là pour nous résoudre le problème qui doit résoudre dans le système éducatif là. Très bien. Romanès, souvenez-vous, immédiatement que nous avons fait un peu et vous avez tourné pour nous. Depuis plus de 10 ans, 11 000 personnes qui sont dans le système, non. Depuis plus de 10 ans, 5 ans, 8 ans, manger dans le système, non. Grâce à gros efforts gouvernement fait. Ok? Et nous sommes tous ces occasions, vous me félicitez, vous me complimentez, et les techniciens, ressources humaines, ministère de l'éducation nationale, avec tout cadre financier qui travaille toute la nuit pour y rendre ça possible. Et je dis à tout Romanes, il faut que nous disions clairement, dans l'espace. Nous sommes presque 3 ans et demi depuis que nous sommes tête du ministère de l'Éducation nationale. Et bien, en administration Moïse, là, de 2017 à aujourd'hui à Romanes, nous construisons, et nous avons tout là déroulé immédiatement, nous avons tout pour vous garder qui côté vous est, nous construisons 143 écoles publiques. Parmi eux, 106 écoles nationales, 8 lycées à 18 écoles professionnelles. Et pendant ma parole là, il y a 6 lycées présidentés annoncés qui sont en gestation. Que ça commence à construire, que ça le marché qui est lancé. Ça a été lancé avec comme parlement. Exactement. Côté où est-ce que vous commencez? Vous avez commencé à construire et vous avez dans le journal de nouvelles que 7 marchés qui lancent. Sont seuls jusqu'à présent, malheureusement, ce n'est pas faute nous, ni faute l'État qui fait le pouvoir capable de construire. Parce que vous avez respecté la loi. Celui, c'est Jean-Jacques. Parce que jusqu'à présent, le dossier a été dans le DGI. N'a pas une autorisation DGI avec direction des domaines. Pour nous prendre nos papiers légaux là, pour nous faire études topographiques, études géotechniques, pour nous
construit ici. Mais en tant que ministre, avant aller tout, vous connaissez un pile dossier, avant aller, parce que ça, on a fait là dans booster. Il y a besoin pour ça, la nouvelle. T'as l'entendu, on va le prendre là, pour y'a du ministre, l'entendu, dit dans booster, dans la nouvelle là. On t'a dit, si ma bonne information, pour me dire, ministre éducation nationale, la Pierre-José Agenor Kader, annoncé là, dans 10 lycées, président a annoncé la construit avec Col Palman, gain de commencer. Qui côté yoye, qui lycée yoye? On va aller visiter, on va faire lycée Marie-Jeanne a construit, lycée des jeunes filles a construit. D'accord? Ça n'est pas comme le Japon, me détendez, projet ça. Non, même si c'est comme le Japon, c'est le gouvernement quand même. Mais non, l'autre mais moi, je vais l'autre mission. L'autre mission, je vais avoir 7 plans qui nous venir. OK? Et en dehors de la présidente, nous avons quelques tout nous-mêmes. Et dans le niveau gouvernement, nous avons construit actuellement un lycée qui est dans Route Frère. Pour l'école nationale frère, et puis que lycée tout, lycée Jean-Marie de la Médère, dans celui du Nord. Et nous, je dis à la, nous avons une équipe ingénieur qui toujours dans ma niche, côté alpha et type topographique, pour lycée Maniche, avec toute l'école nationale pour lui. Très bien. On n'a pas la voie là. Il y a 25 l'école nationale qui a construit actuellement dans le pays. Tout est passé une journée la télévision. Mon petit casse perdu là. Ministre, mon petit casse perdu. Parce que le président dit avec comme parlementaire, il a construit 10 lycées. Je pense que c'est 10 nouveaux lycées. Alors que je ne sais pas si c'est vous-même qui t'es parlé, qui t'es dit lycée, ça, c'est international là, qui a construit, c'est avec support d'autres pays. Et c'est ça que nous voulons sur la délote. OK? C'est ça que nous voulons sur la délote. En vertu de toute notre lycée qui est là. Nous, aujourd'hui, là, le journal de nouvelles, ou après que 7 appel d'offres qui lancé pour construire 7 dans 10 lycées présidents de Dio. D'accord? Gagnon lui-même, nous, c'est pour l'intérêt pour lancer l'argent de la disponible, c'est lycée Jean-Jacques, et nous remplacer deux sacs déjà fin construits là-haut, nous avons un lycée et frère, et puis lycée Jean-Marie de la Médène, dans celui du Nord, qui passe dans et ça me calme fier pour te construire lycée dans le trésor public. Pompicle, la ministre, Pompicle, dans 10 lycées, gagnez commencé, combien l'année vous commencez? Nous avons 7 plans. Bon, bon, Romanes, pour mon capitaine de pour construire un lycée à Romanes, ça m'a donné pile temps. Vous comprenez? Pour ça m'a donné pile temps, il faut suivre tout le processus pour ne pas tomber dans notre intervention avec la loi, avec CRMP, avec pour les côtes. On va tout étape pour construire ici. Depuis la présidente qui a annoncé là, même dans l'annonce, tout le bagage est tombé dans le blanc. Et c'est là, nous n'avons pas pour nous lancer dans la construction du lycée là-haut parce que. Marché déjà lancé. OK? Marché déjà lancé. J'ai lu ce Daniel Fignon de lui-même, il y a un film qui déjà payé marché, qui a construit lycée Daniel Fignon. D'accord? Mais l'autre lycée, l'autre site lycée, eh bien, non, nous, on s'appelle donc la décision d'affaires, et l'île de l'île, nous avons appuyé, nous avons gagné, nous avons construit lycée. Donc, c'est pas, et comme j'aime bien vous dire, on va dire qu'il y a un peu de temps pour vous, nous avons construit lycée, ou une école quelconque, un paquet d'étapes pour respecter. Première étape là, il faut clair que, c'est le côté lycée à construire pour ne pas prendre même les trônes devant eux. C'est ça lui-même, il y a un bon gentil de propriété. OK? Lorsqu'une vérité, il y a un bon gentil de propriété. Et c'est là nous, qui fait nous bloquer jusqu'à ce moment-là, les gens. Mais même si vous finissez avec un bon type de propriété qui sera fait, deuxième étape-là, pour faire études topographiques sont là. Pour nous, parce que nous, actuellement, nous mettons 3 lycées dans le pays à la base où je le fais, nous avons relocalisé parce que justement, nous avons construit un sol qui liquéfie. OK, à n'importe quel, nous n'avons pas de problème. Donc, nous relocalisons. Troisième étape là, c'est études géotechniques. Attendez bien. Maintenant, avec l'offre attention, son ministre qui a parlé, son gros chef, oui. Merci beaucoup. Lorsqu'il fait troisième étape là, c'est le mandat, on va le monter. Et ben, là, vous voyez, non, CRMP. CRMP, d'après la loi de CRMP, un mois pour l'analyser. OK? Pour le voir de la route, c'est quelque chose qu'on veut pour faire. Mais CRMP, c'est une approuvée. L'approuvée, c'est qu'on a un coup de côte. Beaucoup de potes viennent approuver. Et maintenant, c'est là, beaucoup de potes viennent approuver, qu'on y a, ou bien, ils sont capables ou lancer marché, et puis, film, une bidée, va signer un contrat avec Fumnant, pour que nous avons construit l'idée de l'État. Maintenant, même contrat social avec Fumnant, tout, il faut cliquer à aval pour les potes. Parce que nous-mêmes, nous, esclaves de principe, nous, esclaves de ça, la loi dit. Très bien. En garde la Kounian, bral tombe avant, l'école la ouvrière, pendant l'élève, dans la salle classe, professeur ou même dans la rue. Est-ce que vous avez l'école là ouverte là? Est-ce qu'on a pris le professeur? On va aller faire des bagages là. Mais ça, on connaît. J'en dis là, un exercice qui est difficile pour moi de me faire là. Et comme si vous avez dans la cour, vous avez dans la poche, vous avez des choses qui sont battues. Je m'en ai.
comme pour Magali Romanes, professeur, éducateur, lui, nous avons oublié, ok? Même l'Eltagé, revendication, même l'Eltagé, et nous, 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 Radio Média, Radio A, l'IFN, il y a des cent mille dans le système, non? Ok? Côté, plus de 11 000 enseignants qui ne partent jamais remettre, qui ne partent jamais donner, et qui ne partent jamais manger, je dis à tout le jour à salaire, ok? Donc, je pense que là, il faut que la plus au moins, l'État cap agir, ok? Même pas quoi, un enseignant, un éducateur, vraiment, qui peut être l'éducateur. Et je pas quoi, dans le moment que tout le monde est à l'école, après que tout le monde vient de tout le monde à l'école, il a choisi à manifester pour empêcher tout le monde à l'école. Donc, je pense que ça, c'est un comportement qui anti éducation. Bon, gardez ça avec vous, ministre. Pas de problème. Bon, gardez ça. Moi, elle sous deux angles. Premièrement, si c'est professeur qui a revendiqué, donc ministère là, t'as dû étendre et porter satisfaction à yo. Si vous avez demandé 75 000 gouttes, ou vous avez dit que je ne pas dans 75 000 gouttes, je 50 000 gouttes. Je vais venir sur ça. Deuxième bagaille, sous nous parler les enseignants, c'est l'autre monde. Que la police, que la justice servit, continue à se penser. Exactement. Et bon, vous avez dit que tout le monde attendait là. Et si c'est pas que l'autre bagaille qui est caché sous nos revendications enseignants, je ne vais jamais agir comme ça. Écoutez, vous m'en dites. Nous, enseignants dans l'école, nous avons dit que nous avons pensé, c'est pas vrai? Nous avons un fiscal qui va le finir le 30 septembre. On a commencé depuis le 1er octobre. Est-ce que pendant un fiscal va le finir, c'est dans ça pour avoir une augmentation, pour avoir un de bagaille? Deuxième bagaille, maintenant, il y a pu augmenter 100 000 gouttes. Bon, même si vous avez un enseignant, 500 000 gouttes, vous m'en êtes, qui n'a pas de salaire, ou pas de jambes d'intérêt aux enseignants. On sait les métiers qu'on a fait, pas de prix. Très bien. Là, on est dans la police, on est dans la justice, on est dans la santé, on est dans l'entraînement, pour le même son bagage d'affaires total. Parce que l'État, j'aimerais bien, quel que soit pays dans le monde, il paye mon ça pour avoir le travail que la paye. Très bien. Maintenant, on voit que nous sommes humains. Je dis après ma parole là, salaire net au ministre, c'est 80 000 avec quelques gouttes liées. 80 000 à quelques gouttes. On monte dans la rue pour tout alimenter pour le cas enseignant 100 000 gouttes. Moi, je comprends. Donc, c'est quand même qu'on passe les gueux. Nous comprenons tout clairement, même si tu as un enseignant 500 000 gouttes, on ne peut jamais venir jouer pour travailler la paille. Très bien. Mais cependant, nous sommes un pays qui, au type de crise salariale, je dis à un directeur général, au ministère, c'est salaire net, c'est presque 57 000 gouttes. Mais je dis à l'État de connaître les nécessités. Bien que nous avons une situation économique à la GABA, nous sommes capables de repenser gris salarial. Très bien. Mais il faut que nous sérieux, il faut que nous honnêtes, nous avons fait passer des revendications. Bon, tout le monde va répondre, ministre. Bon, tout le monde va répondre, non? Parce que responsable sale nouvelle, la pral prend ça pour le journal. Est-ce que Mkadi là, dans le texte, la Pécré Alkadi, ministre de l'Éducation nationale a minimisé le mouvement professeur a fait là? S'il dit ça, est-ce que la pêche ou bien l'Ikadi ça? Nous ne sommes pas capables de minimiser le mouvement enseignant, si c'est un mouvement enseignant vrai. Mais nous sommes capables de minimiser un mouvement qui fait sous nos enseignants pour régler leur cause. Ok? Pour régler leur cause. Qui cause à régler là? Nous disons clairement. Tout le monde comprend. Nous disons clairement. Nous disons qu'il y a un travail, sérieusement. Et nous pouvons porter satisfaction à 100% à la question enseignant. Mais je dis à nous, on met pour 20 dernières années au pays d'Haïti. Pour mettre les dernières années, pour qu'on jamais gagne une administration, un gouvernement qui peut être toute solution ça en même temps dans le système éducatif là. Okay? C'est pour la première fois dans toute l'histoire de l'Haïti, le seul moment où je ne puis passer 11 000 nouveaux enseignants qui sont nommés et budgétisés. D'accord? Très bien. Donc, nous ne pouvons pas minimiser le mouvement enseignant, parce que moi-même, nous sommes enseignants de carrière, et jusqu'à présent, pendant que je suis ministre, mon titre de noblesse, c'est enseignant. OK? Mais, je ne sais pas, je vais me faire nommer, et c'est ça que je vais me dire que le lycée, vous m'en êtes. Je vais nommer dans le lycée Fritz Pierre Louis, OK? Nous sommes dans le lycée Fritz Pierre Louis en 2007, nous faisons près de deux ans, vous m'en êtes. Je ne vais jamais me lettre, je ne vais jamais toucher. OK. Avec attention. Mais, nous avons fait une classe terminale, mais comme nous avons choisi cet enseignant, nous avons toujours connu l'État à la douane. Mal travail, c'est pour normalement. C'est une raison que les gens ne peuvent pas changer de directeur de l'ICA,
eh bien, tout personnel en dedans, tout élève, à l'unanimité, je réclame moi-même comme directeur du CA. Parce que même pour modèle, donc ce n'est pas question pour une fête qui nous souffre. Donc moi-même, si je n'ai pas de problème enseignant, je vais casser tête l'État. Je ne vais pas casser l'État pour le carré, résoudre le problème avec moi. Je vais me faire petit peuple là. Qui s'est devenu malgré souffri. Donc c'est ça que je dis moi-même. Donc on va répondre avec l'enseignant qu'on fait passer nouveau revendication. Mais que la gamme pas chèque d'accord avec le monde qui est enseignant, on va pas faire l'agite pour terroriste, pour l'agite pour anarchiste. Ça va le roche pour péter tête monde, pour craser appareil. Ok, on va tolérer ça, moi. Ministre. Et sincèrement, on va pas d'accord tout. L'enseignant a empêché petit peuple à l'école. Très bien. Ministre, moi-même, franchement, j'ai toujours un problème avec Moussaï, gros Moussaï, théorisme, bah, et comme ça. Bref, je quitte ça passé. Mais nous, on va pas avec la anarchique. Ok. Mais écoutez, je vous en ai. Qui je peux vous dire, vous débarquez dans le bureau d'État, pour craser l'ordinateur, pour vous wash. Yo fait ça hier, lundi. Yo avez tout imaginé dans la zone, yo avez pas venu dans la zone, pour aider les gens qui connaissent nos têtes au syndicalisme, qui viennent avec qui s'accroche dans le bureau, pour vous wash. Et nous, et ça va la justice, après ça, et moun qui victime nous dit, parce que vous image moun qui veut voir ce qui peut tenir là, jusqu'à hier soir, la taille, sans nommer. Ok, il faut. Qui est-ce que vous allez là? Qui est-ce que vous allez là? Pas plusieurs syndicalistes en bas, oui? Pour gagner une nom d'où, malheureusement, sont directrices de l'école l'État. On ne peut pas que. C'est vous qui avez là, des professeurs, mais s'ils sont directrices de l'école l'État, ça est bon professeur. Non, mais écoutez, mais la loi dit maintenant que le directrice, c'est pas dit ça. Le code a ouvert pour accueillir tout le monde, et puis c'est la voie aller. Très bien. Je dis à nous, nous allons prendre des sanctions au nom de la loi contre tout le monde. Bon moment de ça, ministre, c'est vrai, vous parlez là, où t'es directeur lycée Fritz Pierre-Louis, moi, je suis connu d'ailleurs, je suis sorti. L'homme vient dans la ville, dans le lycée Pinchina. Mais est-ce qu'on pense, Jean Bagala et la ministre, dollar, mouté, la vie chère, 12 000 gouttes, 13 000 gouttes, on pouvait s'abtoucher. Comment est-ce ça? Que ça 36 000 gouttes, que ça 44 000 gouttes, que ça 13 000, que ça 17 000. Et vous causez? Et en deux ministères, non, m'a dirigé, il y a des gens qui ont 7 qui travaillent toute journée, qui ont 7 000 gouttes. Non pas les 13 000 ou bien les 15 000, 10 000 gouttes là pour enseignants, c'est pour 6 heures par semaine. Ok? Ok. C'est pour 6 heures par semaine. Mais l'organe de l'emploi et l'État, par exemple, ça travaille, par exemple, des chauffeurs et des agents de sécurité pas touché pendant le travail de 8h jusqu'à 4h l'après-midi chaque jour, pas touché 7 000, 9 000, 11 000. Donc Josiane nous dit, nous sommes tout dit à l'air, l'État conscient face à question dépréciation ou là, faut gagner en grille, faut repenser grille salariale pays. Mais on connaît nous sommes pays locaux, nous sommes dans la pandémie. Pendant que nous avons une crise économique aiguë, donc nous n'avons pas de moyens, mais nous travaillons sur ça. Ce n'est pas seulement l'enseignant lui-même. Les policiers qui nous la rue, qui travaillent toute journée, qui travaillent toute la nuit. OK? Et juge de paix, juge, nous la santé. Parce que mon collègue, moi, et récemment, m'a parlé avec les collègues de la santé, mon collègue, moi, on s'est participé dans notre ouest pays d'Haïti, qui mettait et les chefs de service dans l'hôpital de l'État. Qui a touché 29 000 gouttes. Okay. Là encore, est bon, pas bon, ministre. Là encore, vous savez, vous prenez exemple ça. Mais c'est bon, ça, pas bon. C'est pas un général, mais comme nous. Tandis qu'un enseignant qui a travaillé en plein temps, il est 36 000 gouttes. Nous dit que je dis à l'État conscient, pour qu'il repense les grilles salariales pays. Très bien. Okay? Mais nous ne pouvons pas dire, par exemple, enseignant lui-même, l'aime démontrer ça, les enseignants, en 2017, c'est en fonction de statut particulier que vous avez. Et je ne sais pas de travail sur ça. Donc, moi-même, j'aime vous dire à moi-même, maître, s'il te plaît, je suis enseignant, mais un enseignant qui respecte les normes et les principes. OK? Et je dis à moi, car ministre de l'Éducation nationale, on va pas pencher sur son enseignant par les mains. D'accord? Donc, mais, on ne peut pas tolérer pour qu'il y ait un bigandage, un anarchique par les mains, parce que vous parlez de la roche, vous parlez de la troupe là. Pourquoi nous vivons même dans l'école des enseignants, nous manèges, capables de voir et roche, sous tout le monde de l'école, dans l'école? Donc nous ne pouvons pas tolérer dans nos sociétés rouennaises. Nous pensons qu'il est temps pour nous refaire l'image sociétale. L'État nous doit prendre responsabilité et nous apprendre. Mais la société à tout, qui est pour prendre responsabilité, c'est tout le monde qui a compris de conscience collective. Pour tout le monde agir, genre agir, selon éthique, selon la loi, selon.
c'est un principe. Bon, mande ça, ministre. Parce que le professeur Nalari, il y a demandé 75 000 goudes. Hein? Il y a demandé l'argent subvention, tout que nous te promettions pendant le coronavirus. Là. Et bon, nous ne parlons de 75 000, donc même si on a demandé 500 000 goudes, ça ne prend rien. Mais cependant, il faut que logique dans les revendications. Je dis à son année, la propriété pour finir. Nous mettons quelques mois. Nous mettons nous mettons 2 mois pour exercer fiscal la finie. Tout à l'heure qui fait en fonction de budget. OK? Vivre en fonction de budget. Mais quel que soit pays dans le monde, vous ne pouvez pas prévoir dans le moment ça. Pendant que mon budget est en cours, tout ça, on va prévoir selon le budget pour vous voir. OK. Parlons de nouveau budget là pour 2021. Si quelqu'un a prévoir, c'est là de la prévoir. On va pas dire, on va le finir en année, et vous prenez la roue à prendre pour 75 000 gouttes. Vous prenez ça, il est possible en tout cas. Ce n'est pas possible pour 75 000 gouttes. Non, mais au moment où on va prendre là. Donc c'est quand on a gardé des têtes, on ne va pas dévoiler. OK? Maintenant, on parle de. Quand l'argent subvention pour coronavirus là. Bon, ça, ni même encore, je ne peux pas la mort, deux fois déjà dans mes gars, et vous m'en pour moi, même sous forme de naissance grave, ça y est. Et je vais l'expliquer pour ça. Et je vais pour toute réalité sur lui. Sous forme de naissance grave. Donc, c'est que nous, on a des générations sociétés, nous, on a vigné. Donc, on a monde à crier pour nous jeter à nous. L'État pour mettre une bagaille. C'est le président de pays, l'a constaté, et COVID-19 là, lui dit bon, étant donné que pour mes 7 mois, l'État, il a touché régulièrement le salaire, et c'est ça lié vrai, depuis en mars, qu'il est jeudi, pour les acteurs de l'État, pas de gens de travail, toujours toucher sa lèvre. Pour le président dit, cependant, il faut que le directeur, il faut que l'enseignant de l'école, pour tout, l'hypothèse, on accompagne le bailleur. C'est comme ça, ils ont mis 1 milliard de gouttes dans le poste comptable pour être capable d'accompagner l'enseignant. Mais, accompagner l'enseignant, en passant par les directeurs d'école. Maintenant, depuis le 3 avril, Romanes, depuis le 3 avril, OK, 1 milliard de gouttes là, il est disponible pour toutes les l'école. Et nous devons travers les 10 départements du pays, quand pile qui vivait pour tout. Seul bagaille, on donnait financier, comptable public, ministre financier, de mettre pile condition en vente pour faire virement. Parce que nous-mêmes, nos ministères éducation nationale, nous sommes pas préparer la liste qu'on a par le ministère finance, mais nous avons une capacité pour nous faire virement sous compte pour l'école. Monde qui a une capacité, ça, institution qui est, c'est institution financière. Maintenant, qui t'a passé exactement le dossier à Rouen? Très souvent, bon, depuis le 3 avril, nous avons fait tout document, voué par le ministère des Finances, mais on s'est décliqué toute information. Mais nous avons demandé quelques documents, pour temps en temps, nous avons demandé tout ça, on m'a demandé. Au dernier moment, on m'a demandé une forme de lettre d'engagement, une signe. Maintenant, l'homme signe une lettre d'engagement roumanais, et bien, il est à l'analyse des dossiers de Colio. Puis, il faut avoir pas de NIF qui valide. Et jusqu'à présent, c'est ça qui n'a pas de validité. Et là, nous venons de poser, parce que ce n'est pas nous qui avons l'argent, c'est Pino. Il a dit, pour nous l'argent, il faut que NIF soit valide. Et l'argent est disponible pour l'école. Quel que soit l'école, il résout le problème. NIF n'est pas valide là, il y a besoin de l'argent. Et c'est pour y OK? Même d'où, à travers, je ne sais pas si je suis là, je ne sais pas si je là, parce que je ne sais pas si poser une question ça. Comme dans le ministère et dans le budget, la négociation, il y a combien l'école qui recevra l'argent déjà, mais l'argent là pour toute l'école. L'école privée, c'est ça. L'école privée ou bien publique tout? L'école privée seulement. Okay. Environ 17 000. Environ 17 000. Parce que dans l'école publique, j'aime bien l'oublier. Depuis le mois de mars, les Iraniens, régulièrement, enseignants touchent l'argent. Et bon, bon, on m'a dit. Si enseignants font une prise de conscience, où est-ce que vous avez en mars? Où il veut en juillet? On en août? Chaque mois, l'État paye normalement. Ou comptant toucher l'argent? Je dis à plus haut pour l'activité pour aller dans la formation, pour aller enseigner, et puis c'est le tabou dit, ou pas parler, ou faire un mouvement. Nous comprenons que les revendications, nous disons ça clairement. OK? Les revendications, pour jouer une satisfaction. Mais moment, je dis là, il n'est pas propice. Parce que c'est un fait, année fiscale, nous y est, pas de rien, il y a un café qu'on y a là. OK? Nous clés sous lit, l'État n'a pas fait rien, même s'il n'est pas volonté. Parce que c'est une année fiscale qui a commencé par le fini. Très bien. Toute prévision faite, dès le début de l'année fiscale, dès le 1er octobre. Ça veut dire si on va l'adresser des problèmes là, par exemple, nous avons déjà passé l'instruction nous-mêmes à responsable ressources humaines, responsable administration, pour adresser quelques problèmes concernant enseignants en fonction de statut particulier. Okay? Mais les enseignants qui nous l'a réfléchi, on nous a formé le monde, et puis on ne peut pas comprendre si logique ça que on ne peut pas priver en août. Pour le dire, c'est là ça pour une bonne prise d'argent, alors que depuis octobre, tout sur l'argent. Donc, on a fait l'exercice fiscal. Je pense qu'il y a un riche, il y a quelque chose
Qui est-ce qui est qui mène bagay? Qui est-ce qui a mené en guise avec sous roche là? Dossier ça, qui est-ce qui a mené li? Bon, depuis qu'on est qui se remanes, bon, c'est qui mon ouye, ou peut-être pas contre toute réalité ça. On n'aime pas faire trop temps. Oui, ou pas faire trop temps. N'importe monde qui a une maturité là pour que, et qu'on tradition sur un triste en Haïti, depuis 1946, quand est-ce qui critique là que c'est l'école pour l'otage? Ou à son, il y a ça qui s'est passé, et l'école de fête nous ouvert avec situation pays loc là, on veut que. Messieurs, dames, politiciens, politiciens, ils viennent prendre conscience de ce qui est à l'école. Mais si ça a été fait, au même, on veut dire là, il y a tout qui là, qui occupe au poste, parce que justement, vous êtes à l'école. Vous-même qui avez un micro, ça comme journaliste, parce que vous êtes à l'école, vous avez une formation. Maintenant, ce que vous avez dit, vous êtes innocent, vous êtes responsable, vous êtes responsable, clairement. Même si vous êtes appelé n'importe quelle revendication, plutôt casser cet état, pas attaquer l'état. Mais si nous faisons respecter le droit, nous apprenons. Bon, qui t'a fini là? Est-ce que m'a dit, en fonction de sa ministre, là, comprenne là, mouvement professeur qui est dans l'arrière, ou lié là avec opposition, c'est ça? Mais imaginons que ça très bien. Nous pas d'opposition, mais pour l'autre lutte qui a peut-être des luttes à la donne, et tout le monde connaît. Parce que pour moi, pour ma pensée, c'est tout. Et on peut nommer dans la zone là, on peut l'église Péchina. OK? L'église Péchina. Depuis sous l'ancien ministre qui est passé, et qu'un député après, l'Alfredo, il faut enquêter sur une liste de machines, il y a plus d'enseignants par ce soldat de guerre. Malgré ça, le ministre en 2017, nous avons une équipe pour nous condamner. Nous avons six choses qui ont touché. Je dis à tout touché. On a dit que nous avons tout touché. Tout le monde est en train de et jusqu'à présent, nous avons mouvement. Où est-ce qu'on a mis là? Chaque côté, nous avons tout, et Romanès, ma vraie pousse encore, pour aucun gouvernement, par aucune administration qui veut résoudre le problème système éducatif là, et je l'y fais actuellement là. Et tout le monde a demandé qu'il y ait un système éducatif là qui est honnête, qui est sérieux, là pour c'est pour la première fois, dans le système éducatif haïtien, il y a plus que 11 000 nouveaux enseignants qui nommés et budgétisés et là-même. Ok? Nous, dans le monde, nous avons budgétisé là, et au Manès, nous venons d'un monde qui est nommé en 2002, 2006, 2008, 2006, jusqu'en 2016, ok, nous résoudons les problèmes par nous, nous venons nommer, nous résoudons tout le monde qui est là dans le système, ok, et nous avons un défi pour dire ça me dit, c'est pas vrai, donc ça va être grave, donc c'est pour ça qu'on a résoudre tout le problème, ou un jour qui est là, puisque monsieur, tout le problème qui est là, on a fait la manifestation depuis 17 ans pour vous, pour la domination, pour vous, tout ça en fait, qu'on est en bas de l'eau et pour vous, ils sont capables de bloquer, qui nous empêchent de venir à l'école. Donc, avec l'autre bagage, il y a tout 30 000 gouttes, 4 000 débits, il y a tout 100 000 gouttes comme salaire pour l'enseignant. Il y a tout. Il y avait la conséquence de l'autre bagage, on connaît qui, pour le présent moment, pas possible. Et bien sûr, pour le présent moment, pas possible, parce que nous avons fait exercice fiscal. La toute dernière question, ministre. Ça, vous me dites, moi là, comme la disponible, il y a l'école privée qui a une subvention déjà. Ça n'a pas joué de lien, c'est l'école qui n'est pas correct, yo. Yo, ça pas joué, c'est ça que NIF qui va valide, mais comme là, il était là disponible pour lui, parce que c'est un bagage qui est très simple, nous déjà dit, directeur de la protège ça, une école qui est NIF ou pas valide, directeur de la collaboration dans le TGI, là, le valide NIF, lui remettre comme le directeur de la protège la capanouille, et puis pour le prouver vivement l'argent pour lui. Mais l'argent là, pour toutes les colonnes, même si une école t'a fait 2 ans, 10 ans, et qui pas jamais prend l'argent là, l'a prêté là pour lui-même, jusqu'à ce que, depuis le valide NIF, la prend la jeune. Ok? Mais, on est honnête. Bon, tu as posé. Donc, il m'a perdu nous là. Vous savez pas, mon individu que les têtes enseignants, lui est le régional Pierre. Vous avez même dit, convoqué un cabinet d'avocat, vous avez dit, vous avez même sorti qu'elle sautait. Et, monsieur régional Pierre, monsieur Kroué le Pépé. Dans qui département lié? Bon, vous avez l'ouest, le régional Pierre. Dans l'ouest. Il y a une fédération enseignant. D'après ça, le dit. OK? Mais, monsieur écrit président, le premier ministre, le écrit Marie-Hélène Chine, le écrit Pierre Espérance, Libo et le Tabon et tout, pour le dire que, moi-même, je viens de la locataire, il y a un mec qui, si missionnaire, c'était dans le pays, ça, tout le monde connaît. Monsieur dit, moi-même, je locataire, directeur cabinet avec directeur communication, nous détournons 500 millions de gouttes de coop pour détailler mon salaire comme à lui, dans l'école privée. Donc, ça, n'est pas qu'on est comme bataille de qui j'aime de qualifié. Même par contre, nous avons fait un peu de régional Pierre qui est le et on a dit, comme ça, non seulement nous ne sommes pas même là, c'est 1 milliard de gouttes qui déposent sur un poste comptable qui déposait, donc ce n'est pas un ministère qui a fait une gestion comme ça du tout. Si vous ne
la hausse de tout carrément, nous détournons 600 millions contre la dedans. Tout le monde s'est fait pour rester comme ça, lit ton bagaille, pareil, comme ça, sous le monde. Et même j'en tout songe là le capable de ça on les pour dire que nous les garçons sont même ça nous qui en pour lui et c'est la tête arrive lui qui veut la tortue qui sont les terres de carbone lui dit que je ne sais que le coup pour capter maintenant l'albeta de la fouille tout sur la lou lui ouais que n'est plus raison à ses raisons donc il dit que moi je vais me coûter on peut pas me coûter 1500 gouttes ça on dit métal fouille plus zone à la lou mais c'est la tête la tortue une débat avec là dans booster les numéros que t'es relé lui ou dans ministère avec le moteur du bail. Je ne sais pas si je suis là. OK et puis notre meilleur problème c'est faire une discussion avec elle mettre les pressions sur les Ipouli nos stations radio de capitale là mais crime que nous dit c'est pas donné que au ancien sénateur il pas une petite qualité pour tabarrer le dossier parce que s'il était sénateur il pas convoquer le dossier une ville moi quelque chose même sont qui transparent comment j'ai tout transparent mais vite le passé dans administration ministère avec tout le passage de marché parce que moi même mon honnête je ne fais pas de aucune direction technique en ministère. Nous sommes en veille pour tout le passer bien. Donc, récemment, là, et vous m'avez dit, bon, vous trouvé. Nous, on n'est que le petit président syndicat pendant le ministère de l'Éducation nationale. Non, comme vous pensez, nos sociétés, à tout cas, ce n'est pas vous pensez à travailler avec les syndicats. Un paquet pour que les têtes au syndicat, c'est pour faire mauvaise action, pour capable de faire l'argent en bariton. Vous êtes capable de faire comme tout le monde. Vous ne pouvez même pas tout le monde ça. Aujourd'hui, il y a un autre paquet syndicaliste qui vient se contrôler même. Parce que, plus fort, nous sommes là, et nous avons écrit au livre sur ça même. C'est une dérossée davantage de même. Nous ne pas d'accord avec nous. Et puis, là, nous avons essayé tout est posé en même. Nous parlé, etc. Il y a présenté mon copier au ministre. Nous, mon président syndical, le ministère, non. Pour nous, près de 5 personnes qui étaient au syndicaliste, nous faisons penser dans le ministère. Et que ça même capable de révoquer pour lui devant. Parce que nous avons quelques papiers sous commission. Et nos bagailles, trafic certificat. Et nous venons, président syndicat, impliqué là-dedans. Eh bien, je dis à la qui ça me fait. On attend une décision drastique pour me révoquer la police à l'idée. Maintenant, on a une enquête sous lui et me dit, et m'écrivez-le. Nous devons me dire qu'on attend le résultat de l'enquête là. Donc, même là, nous devons souhaiter tout, nous devons envoyer toutes les recommandations à la justice pour arriver à le sauver. Il y a une enquête sous lui parce que nous avons des preuves, nous avons des preuves. Non, mais normalement, son syndicat qui existe, oui, ministre, son syndicat qui existe, là, il était campé travail dernièrement pour demander ajustement. Le syndicat, c'est Samdoui. Donc, nous nous mettons qui est à nous pour nous nouer. On ne peut pas honnête. Pourquoi va pas arrêter le ministre? Devant mon bas droite dans le pays, on commence à arrêter. Non, l'un d'entre eux, c'est la preuve là. Et c'est Samdoui qui a, direction affaires juridiques du ministère, après une enquête sérieuse sur ça. Et une fois que je me suis impliqué vraiment dans la question de trafic certificat, ok, on sait des faux certificats à PDD, on va y aller, et bien je me suis impliqué là-dedans, on va faire directement dans la prison. En tout cas, j'ai déjà quitté la prison. Mais où habitué à dire ça déjà, bon question, chef zombie. Donc là, normalement, là, vous êtes à l'école qui est près de 3 ans de prison là. Oui, ministre. Mon définitif, tu vas aller ou retourner sous ça encore. Ou habitué de m'appeler en prison. Il y a une question chèque zombie. On leur met combien chèque zombie d'ailleurs. Battant des munitions et mon lieu dans prison, non? Dans pile que en prison, donc c'est pas la justice qui va louer ça dans prison. Mais, qui est ça tout, c'est le monde qui est déjà parti, qui est payé, pas de retourner encore. Il a pris un chèque avec question vie, mon tégué, qui est ça comme un et qui est ça tout, c'est notre communauté. Donc avec question tégué, question vie, mon tégué dans l'état. Très bien. C'est des vivants, et je dis à tout, et dans la question de Covid, là, le ministère des Finances est obligé de retourner avec vivants, mais pour le ministère de l'Éducation nationale, nous allons écrire formellement le ministère des Finances, parce que vivants sont pile temps à l'État. D'accord? Très bien. Bon, quitte à aller net, ou qu'on a émission sur Facebook, bah, et comme ça, bon réaction, m'a appelé en bas post, en bas live, là, qui dit que ça, Romanes, mandé ministre, là, quelqu'un dans l'école qui joue une subvention, ou bien, dit mettre liste la publique. Tout le monde a connu qui l'école qui vient de Si mon ça, ok, si le capitaine d'émission, Romanes, il va poser une question, parce que je veux clairement que
m'a pas connu d'apposer une question ça pendant m'a parler voilà m'a gagné le lichon dans tête dit mon depuis le vle li met passé dans administration ministère il y a pas du tout il y a pas du tout OK donc c'est pas ministre qui fait tout bagage mon autre pour ministre qui fait tout bagage OK ministre son coordonnateur lié donc par exemple là parler de ça c'est budget qui a pris les administration donc si mon depuis besoin information ça et nous quoi bon directeur communication tout mais nous dire ça nous devons l'instruction pour publier sur site ministère toutes les écoles qui reçoivent déjà où. Parce que nous, il faut que les parents s'adonnent. Parce que sans l'école, par exemple, ils ne peuvent pas faire des pour nous connaître tout. Non seulement nous avons un rapport pour nous faire des finances, mais nous avons publié toute liste d'écoles qui jouent une subvention. Donc, il y a deux côtés capables de jouer. Il est capable de jouer avec le directeur de communication ministère, qui est Milou Diversant. Il est capable de passer tout dans l'administration ministère. Il a besoin de toutes les ordres qu'elle m'a dit. Très bien. Parce que je vais commencer à tout donner dans cette point. Bon, finir avant net, il y a un professeur Léonidas, co-présentateur de l'émission avec moi. Qui dit mon dossier Jérémy l'a suivi ton dossier camarade Dupréville qui te vient dans booster à l'al parler dossier lié li te fait route li fait l'école li go paquet la yangel al li fait canel pas meni professeur Léonidas dit l'a suivi dossier ça mais li pas il pas trop parler avant mon cher Omanes ou est professeur Léonidas qui là c'est un monde dans pays ça connaît très bien c'est un monde qui connaît très bien parce que n'était comme ce temps philo le collège Bert m'entraîne inaké mal fait diplomatie, sciences politiques, nous sommes ensemble avec monsieur comme étudiant. Ok? Monsieur connaît bien, nous connaît bien. Ok? Lui connaît, hier, nous avons cadré à son équipe, son équipe n'a aucun magouille. Donc maintenant, si il y a un problème dans le cadre, ok? Mais comme nous, et quand nous sommes tout papa, et m'a dit clairement, nous avons 40 à tout. Et c'est pas pour qu'à le dialogue, sont ils sont côté, vous voulez politiser presque tout à l'heure. Mais si que. Éducation, pas qu'à la politique. Si que politique pour éducation, son politique éducation pour gagner. C'est ça le dragoyé. Et bien, monsieur, pour depuis 46, je prends éducation comme fan d'attaque pour tout à l'heure. Et bien, Léonidas, qu'on va très bien, et Romanes, il a fait maison tout ça. Ok, monsieur, c'est comme même, c'est condisciple, c'est comme un rappelé. Donc, si qu'on problème, que depuis qu'on est en vie claire, que nous sommes tous en ce moment. Donc, il capte le dossier, puis nous allons nous parler ensemble pour qui ça tient dans le dossier. Et comme faisabilité, c'est toujours résolu. Merci à Pile Ministre. Nous t'es content de faire parler ça avant. Voilà. Pierre Josué Agenor Cadet, lycée ministre éducation nationale et formation professionnelle. Pour viser Léonidas tout à l'heure. Bon. Auditeur, auditrice, je constate l'échange qui t'a fait à Koumanes avec le ministre. Mais mon petit bonjour, ministre, pas dit. Alors, comment est-ce qu'on va contre cela, monsieur? Ben, on dit que c'est la suivi-mission. Auditeur, nous avons six bagages qui font peur. Six bagages qui font peur venant premièrement d'un ami, venant deuxièmement d'un haïtien pareillement, venant troisièmement d'un universitaire, venant quatrièmement d'un qui même j'ai avec mon parcours d'enseignant dans le pays ici. Mais cette question là se dit que deux mois d'octobre à Jodia, professeur touché, pays lock, Covid, c'est comme si Mdakado, professeur a pas de mérité salaire, ou bien professeur a l'élite cause pays lock, ou bien professeur a c'est l'élite la Covid. Employé l'État touché, ministre touché, paquet de cobab gaspillé dans l'État, mais c'est professeur à infirmier qui, la société a, ou bien policiers que nous indexons. Leur parler comme ça, c'était comme Dakadou. Professeur n'a pas le droit lui-même faire une revendication parce qu'il se chite à la Cali pendant 5 mois. Ce n'est pas quoi il te fait, ce n'est pas vle il te vle, c'est une circonstance qui oblige le professeur à rester la Cali. Donc il n'est pas responsable si chaque fin mois, l'État va un petit tuto. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage. Ministre se dit que les gagnants de petits personnels, les gagnants des chauffeurs, les gagnants d'employés dans le ministère qui travaillent pendant toute la journée, salaire c'est 8 000 gouttes, c'est 9 000 gouttes, c'est 10 000 gouttes par rapport à salaire professeur l'école. Là, je trouve que Zamim Agenor Cadet, qui je dis à ministre, parce que je ne suis pas bien à ministre, je trouve que Gon côté très malhonnête, la Kaili. Et même Zamim ministre là. Parce que si M. te dit là tout à l'heure là, que pendant 6 heures de temps, c'est pour 6 heures de temps de travail que vous baillez. Professeur, vous salez ça. M'a dit donc, professeur, vous pas préparé coup. Professeur, vous pas fait correction. Professeur, vous pas fait un suivi. Il a fait un encadrement
il va faire qu'une réunion, il va faire qu'une rencontre avec parents, parce que travail enseignant, li pas gagné, ni le, ni limite, et son travail qui m'a dit en pile sacrifice. Donc, je pense que approche ministre, ce que fait là, son approche qui est très politique, c'est pour approche ou enseignant, c'est pour approche au ministre de l'Éducation nationale qui a comme responsabilité pour le veiller sous professeur, sous directeur de l'école. Je continue parce que je me dis, je des débats là qui font véritablement paniquer. Pour le ministre de défendre, mesdames et les jeunes là, il dit que il y a 7 lycées en construction. Je dis, ministre, là, la suivi de l'offre sont mauvais pente parce que l'offre est un appel d'offre, ça ne veut pas dire pour autant que lycée en construction. Parce que il ne doit pas avoir aucune entreprise qui répond à son besoin, ou qui a fini de faire appel d'offre là, ou jouer des entreprises qui gagnent, ou débloquer comme là pour eux, ils mangent comme là, même gens c'est comme ça, manger la 25 ça de là. Même gens, il y a 15 millions de dollars qui déposés pour construire le ministère des Affaires étrangères, sont seuls wash seulement qui ont déposé sous lui, un wash qui sorti sous une planète qui est les Syriens. Même j'en ai 8 poteaux sur route qui coûtent 14 millions de dollars, et même j'en peinture devant Rex coûtait 10 millions de dollars. Donc l'on est son universitaire, l'on est son citoyen, surtout l'on est son province, ou un minimum de parole, bon gens pour parler avec la société, parce qu'on pas capable de suivre en courant, mesdames. Parce que Jean-Ministre a parlé là, je me rends compte que l'on a un système, système d'un gâté, système d'un fort, a dit des bagailles qu'on pas quoi là-dedans. Auditeur, auditrice, Banque de la République d'Haïti, je dis assez de banques que nous devons parler, parce qu'on a un gros dossier banque, moi, je vais rentrer sous l'île avec Fraca. Il y a 772 milliards de gouttes que BRH avance l'État pour le payer gang, pour le payer chimé, pour le faire l'obéir, pour le faire tissourite. Pas rien de constructif qui fait avec l'argent ça. Ça veut dire que même l'État rentre dans le déficit, c'est pas ni pour le payer infirmier, ni pour le payer COVID-19, ni pour le faire route, ni quoi que ce soit, sans comme que lever. L'on a fait des gangs, l'on a fait des chimères, l'on a fait des voyous, de mafias, qui va gagner qu'après que là-dedans. Ça qui fait un pire grave, c'est que le ministre l'a dit que il y a 60% de l'école qui n'a pas un troisième cycle et que il y a 11 000 professeurs en plus dans le système, là, là où tu as besoin de 28 000 monde. Ils reprennent pour dire que qu'ils font évaluation de professeurs l'école. Ça, bon, apprêté. Ils ont fait des voies de garage pour eux. Et ils ont été obligés de révoquer. Pas oublier, auditeur, je dis que les gens qui ne connaissent pas les professeurs de l'école, qui sont politiciens, sénateurs, anciens candidats à la présidence, ministre de l'Éducation nationale, parti politique. Le ministre a vanté que il y a 11 000 personnes qui entrent dans le système. Non? Et que au pays, a fait de 40 000 professeurs d'école qui dans le système dans là, je dis à gon salaire. Quand il y a 40 000 personnes, je n'ai pas de doute dans ça. Pour qui l'école, côté au l'homme, qui ça a fait, qui est-ce qui va dire ou autre. Pour faire politique, j'en peux acheter 4 mois de jeunes là. Gon ensemble de moun yo ba chèque dans l'éducation nationale parce que l'éducation nationale son va chaler lié surtout dans le Grand Nord. Donc quel moun pa vin fè nou quoi que gagnen yon politique de recrutement sérieuse qui fait en dans ministère de l'éducation nationale parce que gen de moun l'état payé si yo paye yo vrai qui pa jam kon kote l'école là qui pa gen ken capacité pour faire l'école. Et son job député à sénateur à Tebayo, il va même connaître qui s'allie, qui est le faire l'école. Mais ça qui est plus grave là,
Ça fait un peu. Ça est grandement inquiet. Venant de yon zami, venant de yon université, venant de yon province pareil. Je suis allé m'entendre, Romanès a parlé avec le ministre. Pendant 5 fois, le ministre a parlé de terroristes, de anarchistes. Auditeur, auditrice, capable attendez bon second professeur et professeur et professeur Bolivar Cabril Limla pendant signale les questions l'école et du Préville là gain directeur départemental grand dans là tout qui crime pour dire et faut le font pas ballon petit temps pour le font parler sur dossier ça vraiment trouver mon situation pas capable tout monde parler d'ailleurs les avoir arrivé sous moi pour me proposer là et les me tourner dossier au nar fombol donc professeur Bolivar ou même ou capable réagir justement 18h30 là dans les peuples là mais directeur départemental grand danslan du préville qui te vient là m'ta dwi bal 2 3 minutes quelque part mais li met après pose là on a le professeur Leonidas pour me proposer ça ouais faut me proposer on connaît que ça crée une grande situation bien mais permettre que on fini je dis fête Saint-Clair la visite que mais me songe qu'on peut philo parce que c'est monde Saint-Clair oui. La 5 fois, le ministre a parlé de comportement terroriste et anarchiste. Le ministre a 2 fois parlé de l'article 71 que vous pouvez mettre en application quand on directrice l'école et quand on bon notre professeur l'école, que vous avez la manifestation. C'est comme si droit grève, droit manifester, son bagage que l'État a interdit. Et quand je subtil cap fait, c'est culpabiliser des mouns qui victimes par rapport à un ensemble de bagages. Est-ce que il y a des syndicats d'enseignants qui descendent dans la rue? M'a répondu nous avec côté véridique Radio Méga toujours gagnant n'a dit oui que le Belade, que le Hench, que le Nibale, que le Latibonite, que le tout autre professeur l'école. On dit bien professeur l'école descend dans la rue, il a manifesté mécontentement, il a manifesté mépris que l'État est pour eux. Donc, il y a terroriste Belader, il y a terroriste Marigot, il y a terroriste Jacques Mel, il y a terroriste Jérémy, il y a terroriste Atibonite. Parce que, c'est extrêmement dangereux dans la mesure où, premier bagage là, c'est que nous, confiner tout mouvement revendication nationale à des terroristes à Port-au-Prince pour commencer. Ensuite tout mouvement à caractère social yo nous baillons les têtes comme si le grand mouvement syndicat enseignant si gagne des militants qui viennent là-dedans militants fait en sorte que mouvement professeur yo couvril et gon sous-entendu tout temps et m'entend des plusieurs ministres à parler de ça comme si gon bagaille cap mijoter après oui gon bagaille cap mijoter c'est vrai gon mécontentement généralisé très bien pays en Philippe vous sous bonne pression là vous sous vraiment bonne pression 9h39 minutes les pour arriver sous on propose ça auditeur auditrice tantôt l'aime tourner justement n'a fini avec approche professeur Leonidas là directeur départemental grand d'Asla est-ce que m'ta dribal quelques minutes ou bien m'ta dribal le demain sous question camarade ça et du Préville ou appelons ça très bien professeur qui était venu là avant hier il était venu parler sur l'école il était dit c'est lui qui fait route pas même gain route il fait l'école là qu'on a voulu prendre l'amel il parlait d'un paquet l'argent les Abdil les dit le comme yo vaut et ba les déjà demandé qui comme yo avait non est-ce que m'ta dribal ou bien m'ta dribal professeur et directeur départemental là demain puisque dossier on a un propos à vous, Ezekiel, n'a pas tourné dans quelques minutes. Le dialogue avec M. le ministre Agenor. Le président syndicat, il a signalé là qu'après il tout. Parce que... Mais bah, M. Dominique, il son fils, oui. Son fils. Excusez-moi. Attendez. Ou a fait un jeu subtil côté que l'agent lycée Marie-Jeanne à lycée de jeunes filles, c'est coopération internationale là. Même le ministère de l'Éducation nationale a essayé de faire le passé comme étant investissement que Jovenel fait dans le pays. Le ministère dit qu'il a construit 18 écoles professionnelles. Auditeurs, auditrices, nous avons aimé que sur le site de Méga, côté l'école, ça a fait là, pour plus ou moins que vous voyez des photos pour nous, plus ou moins que vous dites nous,
mais l'école, mais la kinivorie, mais tout ça. Bon, mon second professeur Léonidas, n'a pas tourné. Bon, dossier éducation anglais est censé prendre émission dans même là. Justement, avec moi en ligne, Marie-Antoinette Médor. Et Marie-Antoinette Médor, lycée porte-parole et syndicat, ministère éducation nationale, avec formation professionnelle, justement, qui voulait réagir, puisque le ministre là, il parlait de Yola. On est boosté assez salé. Force radio, méga, c'est équilibre là. Vous comprenez? Quand tu as équilibre là pour ne pas faire ça, non, pas rien comme ça. Pièce, on a tout le monde parler, mais quel que soit mon nom, pour indexer, on ne parle pas de monde. Personne ne peut faire ici. Non, je veux. Bon, je veux. Là, étudie communication, vous étudiez pour venir travailler, non, radio, couteau, tu vas là, vous payez. Et comme ça, vous ne pas venir dans notre payroll, non? Sinon, on va faire la presse. Vous comprenez? Madame Antoinette, bonjour, bienvenue dans Booster. Merci, bienvenue, merci. Comment ça y est, Nabgoumé? Nabgoumé, piti. Ma prenne la note en grève là, ministre là, sous parle, bon, il va se en souligner que, ou t'abri l'em, justement, pas capable, là, ou passe par lui-même. Nabgoumé, la, ministre là, dit ou nous mettre ma on là, oui. Nabarrêtez nous, oui. Arrêtez? Mais c'est autant de ministre, autant de saldi. Nabarrêtez nous, si le résultat enquête lié à positif, tout simplement, nous yon pas de problème pour yon arrêter nous, mais pour libre. Même Jean li accusé président publiquement, li rend résultat enquête li a public, et puis le ça, la bien tout droit pour l'arrêter, moun ki fautif là. Très bien. Ça passe exactement nous même dans le syndicat ministère de l'Éducation nationale. Ça passe nous dans ce même, nous même, nous avons des revendications, nous chita discuté, nous prôné, nous revendiqué depuis environ 5 ans. Mais nous, pas jamais joindre un rien comme résultat positif. Cette fois-ci, nous disons que dans tout ministère qui gagne dans le pays, seule éducation nationale qui n'a pas gagné 4 DDBA, nous-mêmes nous réclamons le tout. En plus, nous encore réclamons l'argent qui a prélevé sous chaque employé chaque mois dans la finance et il n'y a pas qu'à utiliser cette assurance-là. Pour y aller kay médecin parce que Ofatma pas payé médecin yo l'hôpital pas recevoir assurance Ofatma parce que l'agent pas arrivé joindre médecin yo nous pas ka joindre service sous comme ça nous dit encore gagnons inflation qui presque à 30% cap grimper monter n'a boit de l'eau en dollars n'a touché en goud depuis 2012 yo mette 1000 goud sous l'agent chaque employé. À jeudi, on laisse à l'agent 40 gouttes pour un dollar. Jeudi, à 125 à 100, 124 à 125 gouttes. Nous réclamons ajustement de salaire en fonction de taux dollar. En plus, bon dossier alignement qui n'a même ministre depuis 2017, qui n'a finance depuis mars 2019. À jeudi, alignement pas jamais fait. C'est une disparité salariale qui existait entre les employés des directions départementales et bureau central. Côté pas respecté convention 100, qui dit travail égal, salaire égal. Bon, moment de ça, Madame Médor, justement, ou dit 1000 gouttes de TMT, c'est 2012, moi, plein de tout ministre, l'a dit qu'il y a une augmentation qui est bâillée. Il n'y a pas trouvé sous le gouttes. Depuis 2012, je mets 1000 gouttes sous salaire chaque employé public. C'est des augmentations, ça, ministre la Paléa. Pardon? C'est des augmentations, ça, la Paléa. Oui, c'est ça, peut-être, ministre la Paléa. Depuis 2012, je vais mettre 1000 gouttes. Non, ministre, en 2012, je ne vais pas mettre rien encore. Madame Médor. Oui. Ministre, en 2017, le Elvin a augmenté salaire professeur et personnel, ministère de l'Éducation nationale. C'est peut-être pas parti, mais majorité employée par Jonathan, il a augmenté professeur. En 2017, les directions départementales ont fait grève. Il a monté radio pour répondre sur la radio nationale, qui c'est radio l'État. Il a dit non comme ça, il tendait. Direction départementale a fait grève pour augmentation. Nous fâchons parce que le professeur augmentation, c'est professeur qui fait ministre, c'est professeur qui forme président. C'est professeur qui forme premier ministre, c'est normal pour le professeur augmentation, nous pas besoin de fâcher employés et administratifs parce que nous-mêmes nous pas de rien. C'est réponse à l'altement sous télévision et radio nationale. Très bien. Bon, regardez avec nous là,
Ministre, parle de un monde qui dit tête, il est président, il a son fédération, il a comme ça. Je ne sais pas si c'est son Daniel, Pierre-Louis, ou bien Réginal. Réginal. Non, non, il n'est pas différent. Réginal, là. Non, non, Réginal, puis il y a son monde qui est accusé de détournement de fonds. Tandis que le président syndical, il joint l'affaire de faux certificats qu'il a bail en dans ministère. Très bien. Qu'est-ce que c'est ça, en bas? Nous connaissons. Je te relé président effectivement dans soi-disant jugement, dans mitan tout gros torien ministère, sous un dossier comme ça. Et président te clarifié bel et bien, tellement yo même yo te prend des décisions pour te faire des transferts au fil du temps alors, pour déplacer quelques monde pour renvoyer dans l'autre service. Mais président te clarifié et d'après président, lui-même, il était clair et net que le patronel n'a pas trempé dans le dossier ça. Comme le ministre dit, il a fait enquête. Nous n'avons pas aucun problème parce que nous-mêmes, nous n'avons pas là pour cautionner corruption ni fraude dans l'administration publique. Là. Au contraire, c'est qu'on a cherché pour nous dénoncer si effectivement, après enquête, le président, il a été fautif. Il est tout droit et président déjà disponible pour passer mes notes nombrales. Mais jusqu'à présent, il faut qu'on ait preuve que le président inclut effectivement dans le faux dossier. Ça. Merci beaucoup, Madame Ledor. C'est ton plaisir. Et avant de aller, excusez-nous, mon nom minute. Nous avons un accord que le ministère a signé avec protocole d'accord. Le ministère a signé avec le syndicat dans le ministère de l'Éducation nationale depuis mai 2019. Qui était supposé entrer en application depuis octobre 2019 jusqu'à nos jours, même un article pas respecté, pas appliqué dans le protocole d'accord. Qui compte lui, qui s'est gagné dedans? Allô? Qui contenu protocole d'accord? Qui s'est gagné dedans? Contenu protocole d'accord, il a gagné toute revendication sérieuse qui permet de nous tomber en grève depuis 3 août à nos jours. Babiole en grève. Lycée en grève, Nazo en grève, Décom en grève, comme on connaît, en pile, site, le ministère a divisé en pile Tikaï Tikaï. Alors nous-mêmes, il y a plusieurs sites, et nous avons ces grèves nationales au niveau de toute direction départementale, parce que c'est nous tous qui avons souffert, nous avons touché un goutte, et nous avons boit de l'eau en dollars, nous avons 9 jours en grève, nous avons tant de dirigeants pour venir dire nos mots. Jusqu'à les grèves sont campées. N'a pas de dirigeant, il n'y a pas parler avec nous, n'a pas négocié, et puis les gens n'ont pas fait un pour eux, en attendant que eux résout le problème employé, parce que l'employé a souffert. Mauvaise condition de travail. Quand on n'a pas la voix là, si tu as vu une visite, c'est notre rat à chiffre du net, ça y est, quand tu as bail certificat dans Babiole là. Donc, tout le rat après le pile, ou à Vinouéo, tu ouvres le Vinouéo à propre jour, pas des conditions pour employer au travail, nous bouquons de ça, et n'a pas souffert au niveau de salaire. Nous demander changement pour employer nous. Merci beaucoup, Madame Médor. C'est ton plaisir. Merci. C'est mon plaisir, merci, mon cher. Marie-Antoinette Médor, lycée porte-parole, CMFC, syndicat des employés du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Professeur Leonidas, on allez pour nous conclure avec de ça. Bon, je vais prendre directeur Grandes, là. Bon, je prends demain. Attendez, directeur Grandes, je vais prendre demain plutôt, puisque justement, je vais aller là, je vais aller dans même, vous comprenez? Et je vais même, on garde ça. Et je prendre demain, ça va passer. Et tu as demain, hein? Oui. Directeur, je prendre demain. Directeur départemental Grandes, je prendre demain, et puisque directeur départemental de la Grandes, là, et Jean Junior, et justement, et c'est Jean Ernesto Dauphin. Directeur départemental Grandes qui écrit là, le relim là pour moi, il a réagi sur la question de l'école du Préville là. Je vais prendre mes directeurs puisque nous avons conclu avec dossier ça pour moi m'entrer dans Ouna. Si l'État gagne un surplus de 11 000 personnes, 12 000 exactement, parce que le ministre dit que 28 000 personnes qui ont besoin de tout le système enseignant au niveau et que c'est 40 000 qui ont gagné. Je pense que il y a 12 000 personnes que l'État a orienté ailleurs. Il y a 12 000 chèques que l'État a payé pour Grand Messi, si il y a des gens qui peuvent aller à l'école. Mais auditeur, auditrice, je vais vous parler qui est très sérieux. La République dominicaine, il y a presque la même quantité de monde avec eux. Salaire, il y a un enseignant dominicain, il y a faut à multiplier
salaire haïtien par trois pour un salaire enseignant dominicain. Si vous regardez le volume plat manger que l'État dominicain investit pour bailler tout le monde manger en République dominicaine, l'État a par jour bailler 4 500 000 plat manger en République dominicaine pour tout le monde qui a l'école. En Haïti, l'État a songé, il bailler 300 000. Comprenez bien, oui, ça a passé à là. C'est là que je montre que sous prend ça a investi dans l'université en République dominicaine. Ça a investi dans le budget éducation en République dominicaine. Par rapport à pour là, c'est différence qui gagne entre un pays comme la Suisse avec vous-même. On a parlé de richesse, on a parlé de folie. Là où est l'État, gagne un comportement côté que il y a plein d'excès, un ensemble de monde qui a essayé brandi revendication yo cahier de l'éance yo c'est parce que justement système ça li senti que de toute part y a craquel de toute part y a essayé chambadel et ou même qui je dis à professeur l'école ou même qui petit personnel la direction départementale yo, en dans l'école yo ou gen autant d'importance que n'importe qui moun si on pas nettoyer toilette yo si on pas balayer classe yo ti moun pa caché ta là-dedans. Donc, ou même qui garçon dans la cour l'école là, ou même qui dans la cantine l'école là, aussi important que directeur l'école là, qui est capable de discipline là. Parce que c'est un ensemble qui fait une entreprise fonctionner. C'est présent sous, quand vous ouvrez barrière l'école là, ou même quand passez balayer, ou même quand nettoyez les toilettes là, ou balayer les classes là, avec les professeurs qui préparent quoi, qui corrigent les cahiers, qui forment les timons, plus comité parents qui encadrent directeur l'école là. Nos tables zone yo k'ap veye sur l'école. C'est tout un ensemble qui fait que nous avons un résultat, qui fait que nous promouvons l'excellence. Mais si, jodi a, bon chirepit, bon perception que nèg ki le syndicat, li gon lot bagay de yel ki rele, fait gouvernement aller, parce que, menisio, le a parlé de problème au point de vue global, au point de vue général, ça qui intéresse les nègres là, c'est donc que gon laboratoire, gon machine qui a déstabilisé. Mais pas capable de déstabilisation. Le tout le monde dans la vie a gangou. Pas capable de déstabilisation. Le chômage a passé, je dis, à près de 83%. Pas capable de déstabilisation. Le 772 milliards de gouttes qui sont dans le BH, les pas rentrer dans l'État pour faire quoi que ce soit, que permettre nègres acheter dollars pour terroriser, pour faire fortune personnelle. Il n'est pas capable de faire des stabilisations. Le budget, parlement, je dis, c'est le même gang l'aller avec gang qui est derrière micro. Pas capable de faire des stabilisations. Il n'est pas capable de barrer la barre Jovenel. Il n'est pas capable de faire un système de tomber. Lorsque l'État oublie que petit personnel qui est dans l'hôpital là, li sorti dans le risque pour te prendre plusieurs maladies et qu'il n'y a pas même en quel côté pour aller. Je me suis dit tout à l'heure que l'école est un bagage qui est sérieux. Et je me suis dit que depuis 30 ans, il y a un plan dans le système pour craser l'école. Parce que de 46 à 86, que vous voulez, que vous ne voulez pas, que la réaction accepte ou que le pas accepté, il a été multiplié l'école en d'un pays. Et l'opre au niveau universitaire, la création de l'INAGE, de IERA, de les sciences humaines, ou autre, etc. Ce sont des atouts que, à partir de 46 classes moyennes, qui détenteurs du savoir national, t'es poté par ensemble population, pour mettre que petit peuple là, vienne accès à l'université. Très bien. Moi, c'est éducation. Chaque fois qu'on a traité sujet ça ici, nous allons finir. Nous allons finir. Nous allons finir, puisque c'est un gros bout de ton sujet. Et d'ailleurs, il m'a dit là hier, il m'a dit l'autre là, il dit
sous besoin craser un pays, finir un pays ou mettre attaquer dans le système éducatif. C'est ça qui vient de là. International a rentré en complicité avec un bon vassal de la gauche haïtienne pour craser. Non, la... mais au besoin craser normal. Radio Omega. Il va pas connaître le fait même pour finir avec nous pour attaquer le système dans tout. Sous un négligé qui va connaître qui va connaître le président. Il va connaître qui va connaître l'ignée que le sénateur député. Bon, là, qui toi. Bon, nous prenons qui pas connaît nous même président l'école. Bon, là, qui t'a noué. Et pour nous comprendre. Nous mourir. Mais sauf que c'était pour ressusciter tête li à partir d'un gros effort, d'un gros sacrifice que pour nous faire. Ma baye peuple là, on devoit à la maison. Ma baye devoit à la maison tout professeur Leonidas. Qui est, ou bien qui modèle monde, cap président en 10 ans, cap sénateur, cap député, cap ministre, cap secrétaire d'État, cap nan au niveau ça, qui modèle monde y a pied dans 10 ans encore? Si au monde. C'est si au monde. OK. Mais déjà, ou prenons une situation là à côté que l'on regarde ou rend nous compte de bonnes bagailles qu'on gagne. C'est-à-dire, la société arrive dans une situation à côté que n'importe qui ne vale pas décider que le cas brigue la direction de la chose publique. Très bien. En tout cas, vous soit va répondre et Zamio dit elle répond tout, les panouins, n'a va répondre. ONA. O qui ça? ONA. O-N-A. Office National Assurance. Yes. L'ONA, amis auditeurs, c'est une institution de sécurité sociale qui était créée par François Duvalier en 1965. Quelle est la mission de l'ONA? On va causer. ONA, c'est défendre Mounio qui travaille dans l'institution, hein? C'est dans l'institution privée, yo. En faveur ou bien en face patron, yo. Mais depuis quelque temps, on a une responsabilité pour lui, protéger et assurer yo. L'on dit on a zami dit que deux gros autres institutions qui t'a levé dans tête non. Au Fatma. On connaît pour qui ça me dit là levé dans tête non. Gagner entreprise privée yo. On connaît pour qui ça me dit ça? Parce que droit du travail a dit nan comme entreprise privée yo apprend sous monde qui travaille là dans yo. L'ab voyon parti pour ONA, l'ab voyon parti nan OFATMA. Ça qui allait nan OFATMA, c'est lorsque ça qui va aller nan ONA, c'est le nou ti grand moun justement nou ka al prêt bon, nou pa bezwen grand moun, nou ka bezwen faire business. Ou ka prend pension l'offre fin grand moun. Ou prend pension l'offre fin grand moun, mais pendant ça, ou ka prêter tout pour faire business. Mais depuis quelque temps, nous avons une ligue en série de programmes qui n'ont pas d'attribution, justement, l'a fait. Nous prenons deux là-dedans, les amis auditeurs. Nous avons une ONA police, ça n'a pas existé. Nous avons une ONA mat, ONA pharma, nous avons déjà un projet ça, mais qui est un projet. Parce qu'on a une diaspora tout, non? Parce que le président Sakla, avec un Chesnel Pierre, c'est Yuri La Tortue, c'est Scholzer, Chancy qui mettait dans l'ONA. Nous rappelons, à un certain moment de la durée, Yuri La Tortue était écrit pour demander, il désolidarise, il demande de démissionner. Mais Chesnel font analyse, il dit anti-Yuri à Scholzer, bon, pas anti-Yuri à Scholzer, bon, il dit anti-Yuri plutôt, et Scholzer et Jovenel, qui est capable pour lui, il était préféré prendre quand Jovenel là. Et c'est ça qui fait tout. Depuis c'est Jovenel qui baille Chesnel Pierre yon lord, même si directeur de rayon yo, même si collaborateur immédiat yo, puisque l'autre directeur. L'autre ministre par exemple. Ouais, en pile monde dit au ministre qui doit politique, il pas technique non boîte, mais faut un bon directeur général. Parce que directeur général même c'est technique là fait. On t'a dit tête dans l'ONA. Sous directeur l'ONA. Il faut qu'on ait. OK? Mais directeur ONA ça, son directeur tout vous c'est do pour lui depuis c'est palais national. ONA police. La police t'est formée. Ouais, pas de pension pour lui. Est-ce que les policiers justement qui ont pension dans l'ONA? Alors est-ce que vous faites spot télévisé, oui s'il vous plaît. Yo montre des policiers qui sont dedans, yo doivent se prendre pension yo. Pourquoi pour mon policier, l'inactivité pour la proportion? Auditeur, si vous permettez, malheureusement, vous m'avez vu un paquet de dossiers
concernant l'ONA. Bon, tout scandale, c'est que l'on a parlé de le peuple. Non, c'est comment c'est commencé. Ah, ou stat. Ouais, mais c'est ça, ma vie. Bon, je m'en dossier, faut que j'ai un document. Non, moi, j'ai un paquet de documents dans mon là. Non, le peuple a prescrit sur nous. Et, quand nous avons dit, dossier éducation est tellement vaste, je ne comment pas le ça. Auditeur, il faut une introduction tout petit pour comprendre. Le François Duvalier, qui est son médecin, rivé au pouvoir, bon gros haïtien, bon gros haïtien, le Clément Joseph Charles, qui était pensé domaine sécurité sociale. C'est-à-dire que M. Créé au AVCT, M. Créé au Fatma, M. Créé l'ONA. C'est-à-dire M. mettait dans l'État, il y a un ensemble d'organismes qui pour permettre que l'État offre aux citoyens un minimum de sécurité sociale. Qui te rappelé pour grandement parler là, c'est Ronald Joseph qui était sorti dans KID en 2004 qui devina pour grandement parler là. On continue. Connais donner au login pour mes documents auditeur. Comprends bien. Rêve François Duvalier. Par contre, s'il réussit ou pas, il ne passe pas là. C'était permettre à la classe moyenne, permettre à Massa pour le mieux être. C'est-à-dire que pour le mieux être, ça, n'est-ce pas à la sécurité sociale, travailleur. Il a pensé à la sécurité sociale, monde qui est plus faible. C'est ainsi que, il a fait entreprise, monde dans la factory, mon entreprise privée, yo, obligation pour prélever une partie de salaire ouvrier personnel yo, et que patron pral cotiser en même temps pour ouvrier, pour employé, li pral payer sécurité sociale pour lui. Ça veut dire pral garantir que, un, li gen accès à un minimum si le malade, yo kap paye, li gen assurance côté que capable de prendre en charge. Mais deuxièmement, Sylvine mon accident de travail, Sylvine infirme, Sylvine vielle pas capable encore, l'ONA Radio Omega au minimum de sécurité sociale pas sa relé, yon retraite sa haïtien relé pension. De là l'ONA fait le Fatma fait sous Duvalier à jusqu'à 1990, li rete dans cadre mission. Ça veut dire, il était dans quatre côtés que lycée garant de sécurité sociale sarpi Fabio. Faut me dire que gagné époque ça, parc industriel de sous genre que Dieu allait pas venir prendre extension, venir gagne en pile monde cap travail dans factory, venir en pile entreprise privée qui vient créer en Haïti, puis c'est qu'on a fait la libéralisation économique. Vin gagner, m'daka di, en classe d'ouvriers ici, qui a payé l'ONA, qui a payé au Fatma, l'ONA vin gagner un paquet de cob dans mel. Comme ça, c'est en d'un banque haïtienne qui a été mettel pour permettre que nèg yo gon minimum que yo te gagné pour capable bay moun pension, lè yo investi comme ça là-dedans. À partir de 1990, l'ONA après rentrer dans une zone de turbulence côté que des mouns qui pas jamais travaillé, pas jamais employé le privé. M'a parlé de qui politiciens qui dans l'État, sénateurs, députés, ministres autres, n'est pas le volume cob qui gagnait que assurer l'ONA yo gagne la meilleure. N'est pas rentrer dans bagaille mesdames, rentrer dans bagaille assurer volontaire. Il y a une bonne autre bagaille, mesdames, qui vous permettent que grand nègre qui est en politique ait accès à crédit l'ONA pour commencer à craser l'ONA. Et c'est ce que nous parlons que il y a des sénateurs, il y a des députés, il y a des nègres qui sont directeurs généraux, qui sont ministres, des nègres qui sont dans le cabinet président, qui vont prêter des cobles à l'ONA. Et depuis 1992 jusqu'à date, ils ne peuvent jamais remettre les cobles qui ont été prêtés. Est-ce que l'ONA passe en perte de profit? Est-ce que l'État accepte ça comme ça? Femme d'où, auditeur? Du moment que yo pas mettant qu'un conseil d'administration, genre la loi prévoit,
Jean loi pote création l'ONAC au Fatma a prévoir que faut un conseil d'administration qui pour gérer boîte ça malgré que c'est des boîtes autonomes mais c'est pour l'état il faut gagner monde qui contrôle yo. Ça pas intéressé l'état pour lui prendre en main n'ta ka dit contrôle ça gagote la continue faire l'obéi continue faire jusqu'à ce que nous pas retrouver nos situations côté que à partir de Sam Dakabre, le gouvernement Michel Martelly, PHTK, plus gouvernement Jovenel, là, nous parlons de quantité l'obéi qui va le faire dans l'ONA. Et que ce dossier, ça, que je pense que Romanes, qui n'a pas de temps à aborder avant, malgré toute bonne volonté de tout dossier, pour le pape Kabre. Je vais commencer obligé. Commencer avec vous demain. Commencer avec vous. Pourquoi nous avons fait Romanes? Très bien. Parce que, peuple là. Non, dossier. Le dernier dossier, ça va des temps. Pourquoi ça va le faire? Ça va le faire, c'est que. Ma prend décision. L'aidement au dossier, nous avons un seul dossier dans l'émission. C'est ça pour faire. Okay? C'est ça qui permet de toi avancer. Ouais. Nous avons deux dossiers, mais trois, parce que le dossier ici, il est complexe, il est connexe tout. Mm. Et ce dossier aussi, il est entré dans l'autre, et quoi, spaghetti, il ici. L'autre, mon dossier, nous avons un dossier, nous fini, demain, nous avons l'autre. Même si nous tournons sur lui après ça, mais faut nous concentrons sur ça. Très bien, très bien. Vous voyez deux camarades là, deux jeunes garçons qui passent là. Mandé ça a gagné yo justement cité de nos communes qui justement t'es dans kidnapping. OK, nous rappelé dernier temps ça avant hier là yo et phénomène kidnapping là il était en vogue ici et l'elle était en vogue même tout vous dit ça insécurité ici policier qui mouri ici monde qui mouri c'est voulu pour vous le dire c'est planifier ça quand on est qui gon problème on est on est gaz amiral le tirer lui ça son action mon action isolée c'est me dégager comme ça mais l'autre de monde ça mouille là on monde mouille porte aller au gan on monde mouille cafo aéroport yon mouille Pétionville yon mouille Santo nous dit qu'est phénomène de sécurité à fois c'est planifier ou planifier c'est banou comme ça pour régler affaire et chaque fois a fait comme ça justement gon l'autre bagaille tout qu'a régler bon salut camarade ça c'est Marc Hérol Norelus et Tisno et